Avec les génériques, il n'y a pas de hic. Les médicaments génériques, ça s'explique. Les médicaments génériques, tout le monde en entend parler. Mais les connaissez-vous vraiment? Non? Eh bien, alors faisons les présentations. Lorsque l'on crée un nouveau médicament, il y a la découverte d'un principe actif qui sert à soigner. Des brevets de 20 ans sont alors déposés pour protéger cette nouvelle molécule. Sur ces 20 années, 10 ans sont dédiés aux tests et aux démarches administratives auprès des autorités de santé. Il reste alors environ 10 ans aux médicaments d'origine pour être commercialisés sous brevet. Et après, me direz-vous, eh bien, la molécule du médicament d'origine tombe dans le domaine public. Elle peut alors être utilisée par un autre laboratoire, notamment un laboratoire de médicaments génériques. Oui, c'est aussi simple que ça, vous l'avez compris. Les médicaments génériques sont donc les équivalents des médicaments d'origine. C'est facile, non ?